suis contente que tu portes la cravate que je t'ai offerte. Dis-moi quelque chose, Natalia. Est-ce que tu m'offres ces cravates pour que ma femme les remarque? Ah, je t'en prie. Comment tu peux penser que je ferais une telle chose? Je connais parfaitement ma place. Comme indiqué dans le contrat que j'ai signé. Ça ne fait pas de mal de faire ça le soir avant d'aller se coucher. Revois-le encore une fois. Je ne veux pas que tu fasses le moindre faux pas. Au revoir. Je voulais te dire, qu'est-ce que tu penses de me donner des points pour que ça t'aide à décider si tu veux sortir avec moi ou non? Eh bien, il te manque encore beaucoup de points, mais j'aime l'idée. Hein? Ah! 5 millions? Pourquoi autant? Eh bien, tu sais pourquoi? Parce que... je suis toujours un peu mal à l'aise que ta mère ne soit pas au courant qu'il y a un petit quelque chose entre nous. Non. Te tracasse pas avec ça, ok? Ok. Je te promets que je lui dirai tout et... ouais, tout ira bien, t'en fais pas. C'est juré? C'est juré. Je te le promets. Tiempo hará que las cosas cambien. Finalmente vuelvo a soltar. Y si hay muros que en contra se levanten. Sé que juntos nos podemos derribar. Con tu amor me bastará. Junto a ti no hay más. Désolé. Simplement, ça va un peu trop vite. Marilous, je tiens beaucoup à toi. Et vraiment, je t'aime. Et non seulement je t'aime, mais je veux aussi être avec toi, mais... on a tout notre temps, il faut faire ça pas à pas. Oui, je suis d'accord. Vraiment? Pas à pas. Ouais. C'est mieux. Regarde ça. La vidéo que j'ai téléchargée a beaucoup de vues. Je voulais juste voir si les gens la regarderaient. Et c'est bien le cas. Écoute, je t'ai déjà dit d'arrêter de télécharger ces vidéos et tu continues à le faire. Ah, c'est bon, quoi. Tu connais beaucoup de filles qui acceptent de se faire filmer oh comme là ça. Là, il y aura toujours des filles qui accepteront. Et si c'est pas le cas, ne leur demande pas. Tu le fais à leur insu, on s'en fiche. C'est pas une vous mauvaise faites quoi idée. Vous téléchargez encore des vidéos sur ces quoi sites dégoûtants? Non, pas du tout. C'est les hasards. Voilà pourquoi nous, les latinos, on nous considère comme des abrutis. C'est à cause de gens comme toi. Tu sais pas ce que c'est que la décence? C'est bon, Tello, arrête. Pour les sermons, je vais à l'église. Tu devrais avoir un peu de décence. Pense que ces filles pourraient être tes sœurs ou tes filles. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai marre de travailler comme un fou pour gagner que quelques dollars. Tu croyais quoi? Que tu allais venir aux États-Unis et vivre le rêve américain? Eh bien non. Ici, il faut travailler dur, ou du moins c'est ce que nous, les migrants décents, pensons. Pas ceux qui, comme toi, veulent obtenir tout d'un coup. Tu sais quoi? Je ferais mieux d'aller ailleurs, là où on paiera décemment. Je prends mon envol. Mais pourquoi tu voulais pas faire ce détour? Qui n'aime pas sortir dehors? Faire un détour? Ce chemin était beaucoup trop long. Ce chemin était beaucoup trop long. Oh, bon sang. Je suppose que je ferais mieux de me taire et de ne pas demander comment ça s'est passé. J'ai raison. C'est juste qu'on a dû faire un petit détour parce qu'il voulait pas monter sur le trottoir. Oui, parce qu'elle a pas voulu m'aider. Voilà pourquoi je déteste sortir. Ok, ça suffit maintenant. Calme-toi, ne t'énerve pas comme ça. Tu n'as pas honte de te plaindre devant Gemma? Ça se voit que tu ne t'es pas promenée en plein soleil avec elle comme guide touristique. Bon, ça suffit maintenant, non? Monsieur Eusebio, vous savez ce qu'on va préparer pour le goûter? Je veux dire, pour le déjeuner, désolé. Tu sais quoi? Fais-moi une faveur et emmène-la dans la cuisine, d'accord? Loin de moi pour le reste de la journée. Et toi, Gemma, plus jamais de ta vie, je veux que tu m'invites à sortir. Merci. Sois patient avec lui. Mon neveu est difficile de premier abord et ta présence a bouleversé toute sa routine. Ok, mais bon, Rodrigo n'a pas l'habitude de communiquer avec des femmes. Pas même sa mère. Oh, tu as apporté beaucoup de choses. Ouais. Que penses-tu d'une petite soupe pour le déjeuner? Parce ah qu'à oui, vrai dire, bien. Tu as acheté du très bon maïs. Ouais, j'ai acheté de bonnes choses. Si j'ai bien compris, vous ne voulez pas me répondre. Ok, je veux pas être lourde, mais c'est que...
Je sais vraiment pas comment aider Roro. Oh, génial. Regarde, on peut aussi utiliser ça pour faire la soupe. Ouais. Alors, c'est quoi cette annonce que tu as mise sur les réseaux sociaux, Sorette? J'ai publié les noms des femmes qui ont accouché à la même date et dans le même hôpital que maman. J'ai demandé à tous mes contacts de partager l'information et je leur ai dit de me contacter par message privé. Hein? Tu penses vraiment que ça va marcher? J'espère que oui, parce que l'une d'entre elles est peut-être ma mère biologique et pourrait avoir votre fille. Je n'ai pas donné de détails, mais j'espère que certaines me répondront, même si c'est par curiosité. Et chérie, qu'est-ce qu'on fait avec la dame qui habite tout près d'ici? J'irai la voir demain après-midi. C'est la première que je veux rencontrer. Je pense que tu ferais mieux de ne pas y aller. Je ne crois pas que ça a un intérêt quelconque d'aller là-bas. Comment ça, maman? C'est à quelques rues d'ici, pourquoi on n'irait pas? Eh bien, ce que je veux te dire, c'est que tu ferais mieux de ne pas y aller parce que... Quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce que tu as? Eh bien, je suis déjà... allée voir cette dame. Selon le suivi des ventes, le kit se vend très très bien. Je suis tellement heureuse de cette nouvelle. En profitant du fait que vous soyez là tous les deux de bonne humeur, je voudrais vous demander quelque chose. Bien sûr. De rendre à Carmen son poste à la réception. Hein? Quoi? Après cette trahison, tu plaisantes? Non, je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Je ne vais sûrement pas la réembaucher. Avant tout parce que son renvoi a servi d'exemple à tous ceux qui, chez Biogénélab, voudraient raconter des rumeurs infondées. Attends, explique-moi parce que je suis perdue. Tu n'avais pas rompu ton amitié avec cette dame? Lisandro, je fais appel à ton bon cœur. L'accepter serait de ta part un joli geste, tu comprends? Non, je suis d'accord avec Fabiola. Cette femme est une traîtresse. Alors j'aimerais vous rappeler à tous les deux que la moitié de l'entreprise est à moi. Si Biogénélab existe, c'est grâce à mon argent et celui de mon père. Moi aussi, je peux décider qui travaille dans notre laboratoire. Comment t'as pu penser à aller voir cette famille sans me le dire? Parce que c'était tout près et que je n'ai pas pu résister. Non, tu es allée trop loin, maman. Et pourquoi maintenant tu ne veux pas que Renata aille voir cette femme? Dis-nous ce que tu nous caches, Sonia Vidal. En fait, cette femme, Concha, ce n'est pas celle qu'on recherche. Et comment tu sais ça, maman? Parce que sa fille et elle ont un grain de beauté sur leurs sourcils qui sont vraiment identiques. Et pour ma part, quand j'ai vu Conchita, la fille, je n'ai pas ressenti ce dont on parle, l'appel du sang. Comment tu peux croire que seulement en la voyant, tu sauras si c'est notre fille ou non? J'étais sûre que c'était ce qui arriverait, que mon cœur allait dire quelque chose, mais non, il ne m'a rien dit. Ton cœur ne parle pas. Eh bien, tu parfois crois vraiment si... que ton cœur va te dire « Celle-là, c'est ta fille !» Assez, c'est bon. Renata, tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je suis en colère, maman. J'ai besoin que vous compreniez tous que vous ne pouvez pas faire des choses comme ça, sur une impulsion, en laissant vos émotions prendre le dessus, non! Tu crois peut-être que je n'ai pas hâte de savoir qui sont mes parents biologiques et de découvrir ce qui s'est passé à ma naissance? Désolée. Je n'aurais pas dû dire ça, désolée. Chérie, nous comprenons mieux que personne que le moment n'est pas encore venu. Tout le monde s'occupe de ses fantômes du mieux qu'il peut, n'est-ce pas, chérie? Bien, chérie. Je l'ai blessé, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas Carmen qui m'a demandé cette faveur. J'ai réfléchi et j'ai décidé de lui pardonner et de la soutenir. Je lui ai déjà parlé et elle est prête à faire amende honorable. Oh, je t'en prie. Comment tu peux croire qu'elle puisse réparer son erreur? En travaillant et à condition qu'elle n'intervienne pas là où ça ne la concerne pas. C'est tout. Oui. Pour moi, c'est comme se jeter dans la gueule du loup juste pour le plaisir. Lisandro, je te l'ai demandé gentiment. Mais maintenant, je veux que tu m'écoutes. Réembauche-la. D'accord. La seule chose que j'exige de toi, c'est que ni cette femme, ni aucun de ses proches ne mettent les pieds dans cette maison. Ah, papa, je t'en prie, ne cède pas si facilement. Cette nana est un vrai serpent, c'est une commère, c'est une mégère. Assez, Fabiola! Mmh.
Nos vidéos sont un succès total. J'ai beaucoup de likes et de nouveaux followers qui adorent la princesse Miel. Tu pourrais peut-être rendre ça plus sexy. Tu serais la sexy princesse Miel. Je me suis dit que je pourrais peut-être devenir une vraie influenceuse. Tu serais l'influenceuse la plus populaire du monde. Oui, et je pourrais donner des conseils sur comment traverser l'adolescence ou des astuces pour être plus jolie, ce genre de choses, tu crois pas? J'adore. Regarde, il y a tes fans. Ah. Oh my god, j'ai un message de Galax. Tu vois, c'était qu'une question de temps. Ouvre-le pour voir ce qu'il dit. Allez. Madame Carmen. Oh, je t'en prie. Non, 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 arrête, Madame arrête, Carmen. Tu vas m'écraser. Tu vas m'étouffer. Ah, attends, tu vas... Aïe, 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 aïe. Je viens d'apprendre que vous avez récupéré votre emploi. Eh oui, je n'ai pas pu te prévenir avant parce que j'ai dû aller déposer Dana à son école et qu'hier soir, je n'ai pas eu le temps. Ce qui s'est passé, c'est que mon amie Brenda a réalisé que mon licenciement avait été totalement injustifié. La propriétaire est vraiment cool, pas vrai? Et tu sais, elle me connaît depuis tant d'années. Elle a convaincu son mari de me donner une autre chance. Oh, et tu sais, elle m'a dit aussi qu'elle le faisait parce qu'elle avait une entière confiance en moi pour imposer l'ordre ici. Oh oui, oui, on en a vraiment besoin ici. Je suis contente que vous c'est soyez vrai. Prêt à toi. Alors mets-toi au travail, d'accord? Ah. Brenda, chérie, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'appelle pour savoir si tout va bien pour ton retour chez BioGenelab. Oh oui, oui, tout va bien. Et d'ailleurs, je voudrais te remercier encore une fois pour ton aide, car si tu n'avais pas été là... Si tu dois remercier quelqu'un pour cette opportunité, ce n'est pas moi, c'est Renata Sanchez Vidal. Qu'est-ce que tu dis? Ok, merci. Je peux? Mais tu as déjà des nouvelles de la vente du kit? Tout se passe super bien. Enfin, ce n'est qu'un premier rapport, mais les ventes semblent être excellentes. Incroyable, félicitations. Je m'attends à ce que les premiers échantillons arrivent aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. On devrait être vigilant. En fait, ce serait bien de revoir la classification des données générées, tu ne crois pas? Si, bonne idée. Tu veux venir dans l'espace informatique? Comme ça, je te montre comment ça fonctionne. Ouais. Allons-y. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est le grand retour de Carmen. Elle est en forme. Carmen, je suis très heureuse de te revoir. Passe une bonne journée, Marilous. Bonne journée. Renata, attends. Eh bien voilà, je voulais que tu saches que je te remercie de ton intervention pour ma réintégration dans l'entreprise. Et pendant ce temps où j'ai été absente, j'ai réalisé... que ce travail m'a beaucoup aidée et que je m'y étais habituée, alors merci beaucoup. Oh non, je sais comment tu vas pouvoir te racheter, Carmen. Je veux que tu m'aides avec mon nouveau kit. Dis-moi, resteras-tu pour faire quelques heures supplémentaires? Oh, allez, ne faites pas d'histoire, l'argent ça aide. D'accord, j'accepte. Et je le fais parce qu'il me semble évident que mon travail est indispensable à ce projet. Oh oui, 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 elle nous a manqué, hein, n'est-ce pas? Bonne journée. Tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé? Oui, papa, merci. Je l'ai utilisé en sortant du lycée de ce quartier pourri où je vis maintenant. Comment vont ton frère et ta sœur? Dana est toujours aussi bête. Elle est insupportable collée à son portable. Et Ulysse est tout aussi bizarre. Ton inutile de mère ne sait pas comment les contrôler. Non, papa. Le pire, c'est que Dana est complètement obnubilée par les réseaux sociaux. Parce qu'elle a créé un nouveau profil. Elle pense que je ne le remarque pas. Mais je regarde pour pouvoir te raconter. Tu as raison, mon fils. Ah, elle est tellement bête. Qu'elle a pris comme nom sur son profil, Princesse Miel. Enfin bref. Bye bye, on se rappelle plus tard. Je dois retourner dans cette classe pleine d'abrutis. C'est comme ça que ça marche, la question des données. Nous sommes maintenant prêts à recevoir des échantillons et à les traiter. Ok. Vous voyez? Ah, désolé. Allô? On m'appelle de la maison, ma mère a un problème et je dois m'en occuper. Oui, bien sûr. Eh, tout va bien? On peut t'aider? Non, non.
C'est juste un coup de fil, j'espère que ce n'est rien de grave. Gonzalez, tu peux continuer? Ne t'inquiète pas, vas-y, vas-y. J'y vais. Vas-y. Merci. Ici, vous allez... Ravière, j'ai déjà les résultats. On peut se retrouver dans une demi-heure au café Buquet. Je préfère que tu me les remettes en personne. Ok. Oui, pas de problème, Ravière. J'arrive vite et puis... je voudrais te remercier. Carmen Medina est de retour chez Biogenelab. Pourquoi tu m'as demandé de t'appeler? J'ai une chance de choper le téléphone portable d'Alonso. T'as le logiciel de piratage? Apporte-le tout de suite ici, on n'a pas beaucoup de temps. Retrouve-moi dans la rue derrière le labo. Comment ça va? Bien. Je vais prendre une petite douche. Tu ne veux pas venir en profiter avec moi? Non, vas-y, ma poupée. J'ai des choses importantes à vérifier, d'accord? Bien. Si tu changes d'avis, je t'attendrai là-bas. Princesse Miel. C'est quoi ça? Voilà, j'espère que la batterie tiendra le coup. Je vais le chercher ici. Voilà, il y a beaucoup d'informations sur ce portable. Fais comme tu veux, Vito, mais j'ai besoin que tu télécharges toutes les informations de ce portable. Photos, images, vidéos, audio, tout, ok? Ça télécharge déjà les infos sur la clé USB. On doit se dépêcher. Je peux pas garder le portable d'Alonso pendant trop de temps. Les photos sont téléchargées. Il manque encore les vidéos, les audios et les fichiers. Je ne veux pas te rendre nerveux, mais pour les vidéos, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà comment, Alonso, on parvient à l'expansion des données biologiques. Ok, très bien. Excuse-moi, Gonzalez, mais comme ça va prendre du temps, je vais chercher mon portable et je reviens. D'accord? Ok. Pas trop ne pas l'avoir avec moi. Donne-moi 2 minutes. Je ne pensais pas que Gonzalez aurait tout expliqué aussi rapidement. Non, non, c'est pas ça. Je suis retourné chercher mon portable et je ne le trouve nulle part. Je suis sûr qu'il était là. Tu peux m'aider à le trouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Où est-ce que je l'ai mis? Ah. Maro, fais-moi une faveur. Appelle-moi pour voir si je le retrouve. Il doit pas être bien loin. Bien sûr. Merci. Je suis sûr de l'avoir laissé ici. Ça sonne, mais on n'entend rien, Alonso. Ça devrait sonner très vite, pourtant. Il est peut-être dans le secteur bioinformatique. Maro, je suis sûr que je l'ai laissé ici. Ils l'ont volé ou quoi? Tu as bien cherché? Aide-moi, s'il te plaît. Cherche bien partout. Il est là. Où? Ah, génial. Génial. Pourquoi il a pas sonné quand tu m'as appelé? C'est étrange, non? Je t'ai apporté les résultats imprimés. Ils ne sont pas sur du papier à en-tête Biogenelab. Non, ne t'inquiète pas. Dis-moi simplement le résultat, s'il te plaît. Ça dit qu'il y a une relation à 50%. Selon les échantillons, vous n'avez qu'un parent en commun. Tu es surpris par le résultat? Au fond de moi, j'avais déjà une raison de soupçonner que Fabiola pourrait être ma demi-sœur. Comment ça? Parce que Lisandro Mascaro n'est pas mon père biologique. L'autre avantage d'avoir une longueur d'avance est que lorsque tu vérifies quelque chose que tu savais déjà, tu arrives enfin à comprendre à 100% ce que personne n'a su t'expliquer. Sur les réseaux sociaux, les hommes et les femmes de tous âges sont exposés à ceux qui prétendent être des amis juste pour en profiter. Méfiez-vous des fraudeurs numériques. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre.
cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.